Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir, chers amis. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons le retour... Hop. Merde. Hop. Voilà. De notre navette avec le composite que nous avions demandé. Donc c'est une excellente chose. On va en avoir besoin d'un total de 8, chers amis. Hein. J'en ai 6. C'est pour ça que j'ai un petit peu ragé tout à l'heure. Hop. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Crac. Là, je vais installer le stockage derrière mon véhicule. Et vous voyez que j'ai de la place encore pour un stockage. Ah, mais il veut pas le faire. Alors ça, c'est rigolo. Il veut pas rajouter un deuxième stockage. Voilà. Et donc, je pense avoir la quantité nécessaire. Je vais prendre un risque. Hein. Je vais être courageux. Dit comme ça, c'est bizarre. Et je vais rajouter encore du stockage à l'arrière. Ce qui fait que maintenant, au lieu de revenir avec 4 boules de recherche, par exemple, je peux revenir jusqu'à 8 boules de recherche. Je sais pas si vous vous rendez compte du camion que je me tape. Là j'ai un vrai camion, chers amis. Je peux pas le dire autrement. C'est le camion. Maintenant, ce qui serait intéressant, malheureusement, vous allez voir que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant comme gameplay. On va aller récupérer les objets de recherche que nous avons laissés juste en bas notre grotte. On va récupérer le plus possible, revenir, nous faire des composants faciles avec ça. Et essayer de récupérer, donc, via l'échange, hein, de nouveaux objets. Même si il faut en profiter, je pense, parce que je pense que dans quelques mises à jour, le système d'échange va être modifié. Et drastiquement, à mon avis. Je vais... Je vais tenter quelque chose. J'espère que c'est pas une connerie. Hop. Le problème étant, c'est que j'ai peur que si je me gare, il remonte pas. Voilà, mets le frein à main, tout ça. Ok. Donc j'ai gagné un petit peu de temps, en fait, là, chers amis, tout simplement. Et, le temps, c'est de l'argent, comme vous connaissez. Si vous avez déjà joué à World of Warcraft. Donc voilà. Ou comme ils le disent dans South Park, World of Warcraft. Et c'est vrai que... J'avais appelé il y a très 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 longtemps que ça le service téléphonique de World of Warcraft. Et quand tu l'écoutes au téléphone, c'est plus à mon avis un problème de qualité téléphonique à l'époque. Hein. Et franchement, c'est vrai que c'est magique. Hein. Ils disent... Enfin, tu comprends pas World of Warcraft. Enfin bon, c'est la blague. Alors, bourrons notre camion d'objets complètement ésotériques. Pour récupérer un maximum de compos de manière simple. Ce serait intéressant. Crac. Il serait aussi intéressant de trouver aussi d'autres compos. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement je n'ai plus du tout d'objets sur moi. Et j'ai besoin de refaire ces objets. Que ce soit des rallonges ou autre chose. Par conséquent, je préfère me focaliser sur la découverte d'objets simples, si je puis dire. On va aller en chercher. Je sais que j'en ai pas loin, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je pourrais prendre ceux-là. Je pourrais effectivement, mais je sais que j'en ai déjà des pré-sorties, si je puis dire. Ok. Voilà. Donc j'en ai mis 3. Donc techniquement je peux en emmener encore 5. 1, 2, 3. Crac. Avec un peu de chance on va tomber sur du lithium, hein, qui augmentera notre capacité de batterie, chers amis aussi. Hein. C'est pas complètement inutile. Hein.
ce que je fais là. Puisque en dehors de trouver des... Mince. En dehors de trouver les... Comment les... Les, comment, les compos de base à échanger, je pourrais très bien aussi tomber sur des compos rares qui me permettront, eux, encore une fois, d'améliorer la base. Donc, c'est pas inutile du tout ce que je fais là. Hein. C'est un moyen qui mise un peu plus sur la chance de tomber sur les fameux composants rares que propose le jeu, de toute façon. Simplement. Et c'est un moyen, je pense, qui est tout aussi efficace que la recherche au pif. Puisque finalement, je viens de dire que c'est un moyen qui utilise l'aléatoire. L'aléatoire, certes, mais à l'heure actuelle, n'ayant aucune carte, aucune véritablement technologie permettant de retrouver... Je vais passer par là, ça va être moins long. Hop. Hop, voilà. Crac. Vous voyez pourquoi j'ai ramené le vaisseau, le rover. Crac. Oh putain. J'aurais voulu le faire que j'y serais jamais arrivé. Soyons honnêtes. Je pense qu'ils vont faire prochainement en sorte que porter un objet consomme de l'énergie. Je pense. Honnêtement, je pense. Parce que là, franchement, on se balade, vous voyez, je me balade avec 5 objets, quoi. C'est... Bon, je vais le remonter directement sur le robot, sur le vaisseau. Puisque sinon, je vais vraiment m'embêter. Hop. Crac, ok. Qu'est-ce que je disais, Je ne sais plus. Oui, et n'ayant pas de technique, de moyens véritablement utilisables pour retrouver des compos, que ce soit un scanner ou n'importe quoi, c'est tout aussi aléatoire finalement. Ok. D'aller chasser un petit peu le compo si c'est en cherchant de manière aléatoire dans une grotte, finalement. Quand on y pense, n'ayant aucun moyen de recherche, ni véritablement aucune idée si c'est mis en fonction des profondeurs, par exemple comme dans Minecraft, ou si c'est mis de manière complètement aléatoire, il n'y a pas véritablement jusque-là de véritable recherche aux composants. Malgré tout, je pense aussi, je viens de penser à ça, il est possible aussi que les fameuses plantes, et vous voyez, là on a plein de choses faciles pour trouver ce genre de choses. Là je vais en ramener 8. Donc, et encore 8, vous avez vu, je suis allé les chercher parce qu'elles étaient déjà prêtes, je les ai même pas récupérées. Donc ouais, va sûrement y avoir un nerf de ça aussi, finalement, quand on y pense. Je pense, ou alors une catégorisation en rareté. Vous voyez qu'on tombe toujours ces trucs là sur les plantes, et il va y avoir sans doute une catégorisation, pardon. Oh la vache. Allez. Allez. Allez, tire. Allez. Oh putain. Allez. Oh la vache, il en chie. Oh, il en chie. Oh putain, sa mère, il en chie. Oh la vache. Je crois que c'est la plus belle remorque que j'ai jamais ramenée. Ah, c'est bon ça. Ok, bon. On y va. On profite du jour. Crac. Ce sera du lithium pour une batterie, potentiellement. Crac. Merde, j'ai pas vu ce que ce sera. Du lithium supplémentaire, ça c'est génial. C'est absolument génial. Le jour baisse, chers amis. De l'aluminium, c'est pas plus mal.
Et nous sommes déjà en train de pomper sur les batteries, malheureusement. Mais elle se recharge. Elle se recharge encore. Ok. Elle ne se recharge plus. Si? Elle se recharge encore. Encore du lithium, c'est une très très bonne nouvelle. Là, ça ne se recharge plus. Ok. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir des batteries, c'est qu'on peut... Oh là là là, on a de la chance. Enfin, on a de la chance. Oui et non, parce que le lithium, je vais pas avoir envie de le virer, malheureusement. Clairement, je vais pas avoir envie de le virer. De la résine, ça non plus. Donc finalement, en fait, on a juste pas de chance. Parce que je vais devoir virer de l'aluminium et ça me fait royalement chier. On a vraiment pas de chance. Ouah, du lithium à foison de partout. Qu'est-ce que je fais? On a pas de bol. On a vraiment pas de bol. 1, 2, 3, 4. En plus, pile de quoi faire ce qu'il faut. Je pourrais me rajouter deux batteries. Kaka. En plus, je peux les déplacer, les batteries, donc c'est la fête. Et j'ai tout consommé des deux batteries? Parce que si c'est le cas, c'est... Mon éolienne. Alors, mes deux batteries sont vides. Pensez-y, chers amis, mes deux batteries sont vides. Est-ce qu'elle vient sur nous? Potentiellement, oui. Mes deux batteries sont vides, j'ai envie de voir si l'éolienne fonctionne. Là, je suis curieux. Parce que normalement, elle est censée fonctionner. Et vous voyez qu'elle tourne pas. Elle ne tourne pas du tout. Ah, par contre, j'ai plus de sang dans la jambe, ça c'est chiant aussi. Elle ne tourne pas du tout. Je vais sur le... On va aller voir là-dedans. Wind turbine. Alors. Ok, donc apparemment ça fonctionne dans un lieu, dans des lieux particuliers. Mais pas pendant les tempêtes. C'est pas du tout aussi efficace qu'un panneau solaire. Mais bon, situationnellement parlant, c'est aussi efficace. Je pense. Ok, bon. J'en ai un de plus de lithium. Intéressant. Panneau solaire, non, c'est pas véritablement ce que je voulais. Crac, stockage, non. Éolienne, non plus, pas du tout. Batterie, voilà. On va maximiser le nombre de batteries. Je vais en faire deux de plus. Ah, il est pas rechargé pour le moment encore. Ce qui va forcément du coup me réduire aussi le... Voilà, on va le mettre là pour le moment. L'espace disponible. On va attendre que le soleil revienne. Ce qui devrait pas tarder. J'ai pas du tout d'énergie sur moi en plus. Donc c'est la dèche. Si je peux aller chercher celle-là, on va rigoler deux minutes. Voilà, parfait. Ça va recharger un petit peu tout, ça va être rigolo. Et vous allez voir que pile quand je vais arriver, on va avoir droit à du soleil. Hop. Crac, on recharge petit à petit tout ça. Voilà.
Et donc je vais pouvoir aller me faire une deuxième batterie. Vous avez pu voir à quel point les batteries c'est la vie. Et imaginez en fait quand je suis sous... En fait l'objectif des batteries c'est que quand je suis sous terre, je suis encore rechargé au niveau de l'énergie via ces câbles. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté que ça recharge pas la batterie, la base là-bas. Du coup plus j'ai de batteries, plus j'ai de comment de... Simplement de capacité à être... alimenté par la base, tout simplement. Par contre là il est clair que j'ai un gros manque d'énergie. Il me faudra du panneau solaire à foison. Mais comme je l'ai dit, il me manque déjà plein de choses. Il me manque déjà plein de choses. Par contre j'ai cru voir du composite à un endroit. Ça c'est du titane. Et le composite je vais le prendre tout de suite. Ah bah oui j'ai encore du lithium ici d'ailleurs. Ça c'est de la résine. Merde, ça se trouve je l'ai confondu. Résine. J'ai deux de résine. Je les aurais bien confondus. Titane. Je les aurais bien confondus. Dommage. Merde. Je les ai donc bel et bien confondus. Bon bah écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais mettre deux lithium. Hop. Ça m'embête. Mais deux lithium. Allez, casse-toi. Hop. Et le problème c'est que j'ai pas envie de mettre 4 composites dedans. Ou alors je fais ça. 4 composites et 4 résines. Je peux faire ça. Parce qu'avec 4 résines je peux ouais c'est ça que je vais faire. Avec 4 résines je peux chers amis. Alors ça c'est de l'aluminium. Je récupère le cuivre. J'en avoir besoin prochainement. Avec 4 résines je peux sans souci. Il m'en faut minimum 2, j'en ai 2 là. Attendez, 1. 2. Il m'en faudra un troisième. Est-ce que j'ai un troisième résine? Ce serait vraiment cool. Si c'est pas le cas, je vais aller chercher, vous savez. Là-bas. J'y vais. Si j'arrive à avoir ce troisième résine, j'ai... Ah, déjà de retour, c'est rapide. J'ai de quoi construire... Ah si c'est bon. Voilà. Parfait. J'ai de quoi construire. J'ai 4 résines dans le dos, hein. D'accord. Pourquoi j'en ai pris 4? Putain, j'en ai 4. Ah c'est con, bon c'est pas grave. J'ai de quoi construire ma truc de carburant là-haut. Donc on va y aller tout de suite. On en est où dans l'épisode? 18 minutes, c'est parfait, on a juste le temps qu'il faut. Crac, ok. Donc il est revenu avec du composite à foison, c'est parfait. Ce qui me permet en fait d'avoir moi déjà une réserve de composite à redistribuer pour tout ce qui est rallonge et tout ça. C'est extrêmement pratique, c'est pour ça que je voulais absolument en avoir un petit peu. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Je dirais même que c'est une excellente chose, on a de la chance. On a pu résoudre ce problème assez rapidement, malheureusement pas avec des compos qui me plaisent. J'aurais préféré garder 2 lithium pour une batterie, des batteries supplémentaires. Je n'ai pas eu cette chance. Bon, tant pis. Ok, salut les filles. Voilà. Tombe pas Marcus, ce serait la pire connerie à faire. Condensateur de carburant qu'ils ont appelé ça. D'accord. Ok, on y va. Et potentiellement... Potentiellement, je rajouterai encore une chose ici avec du compo de... ce sera des compos de... Comment que s'appelle de... Mince. De coffres. Il me faudra des coffres pour pouvoir emmagasiner l'hydrazine. Je pense que ce sera une bonne chose. Ici. Ok. Là, je vais, par principe... Crac, rajouter une petite surface. Pour
pour m'assurer de ne pas tomber. Ce qui me semble pas mal. D'accord, c'est un seul de carburant. Oh, c'est lent. Je suis un peu déçu, je l'admets. Il y a déjà plus suffisamment de lumière pour qu'il recharge. Ok, donc il va vraiment falloir des batteries. Il va vraiment me falloir des batteries. Il va vraiment me falloir des batteries. C'est la dèche. Ok. Ok, bon bah pourquoi pas. Je vais essayer de faire une surface plane un petit peu autour parce que là, il y a des risques. Ok. Parfait. On est pas trop mal. Donc là, il va me falloir des batteries, clairement, hein, sans la moindre hésitation, il va me falloir énormément de batteries. Potentiellement deux, hein. On verra le moment venu. Parce que si je peux en faire qu'une par jour, ça va pas être coton. Ok. Oh, c'est presque dommage. C'est presque dommage. C'est pas grave. Ok, on y va. On y va, on y va. Bon, de toute façon, on a moult batteries sur place là-bas. Rien ne m'empêche d'en récupérer une. Et de la mettre. De toute façon, qu'elle soit là ou qu'elle soit là-bas, je récupérerai moi de l'énergie. Où qu'elle soit. Je pense. D'ailleurs, ça, je pense aussi que ça va être nerf. Hein, mais bon, on verra bien le moment venu. Ok. Donc, on a. Récapitulons. On a du composite en quantité intéressante. On a. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? De quoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'autre? Pour l'instant, je vois pas grand-chose. En termes de nécessité pressante. Mais on peut commencer, ça y est, techniquement, on peut commencer la base. Aller voir là-bas ce qu'il va nous falloir. On a déjà dit qu'il nous fallait 4 composites. Pour faire un coffre. Donc si je fais 4 composites, je peux faire 2 coffres. Un ou deux coffres. Je peux transformer un 4 en 8. Ce qui pourrait être intéressant. Donc je vais récupérer encore 4 autres composites. Soyons fous, on fait ça comme ça, c'est pas grave. Je récupère 4 composites. Ouais, 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 je pense que c'est comme ça que je vais faire. Je récupère 4 composites, chers amis. Comme ça, je peux rajouter un coffre à la navette spatiale. Enfin non, au vaisseau spatial, pas la navette, faut pas que je me trompe dans la dénomination. Ce qui permet d'avoir plus de place pour emporter des choses. Je pense que c'est une bonne chose. Ok, bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je vais pouvoir rajouter ça en fait littéralement sur la navette spatiale. Sur le vaisseau spatial, Marcus, ne te plante pas. Il serait bien aussi que sur le vaisseau spatial je ramène un panneau. Un panneau solaire, merci. J'en récupère un, le reste là. Hop. Merde. Merde. Hop, voilà. Il serait bien aussi que j'ai un panneau solaire sur le vaisseau, que je puisse avoir une base d'énergie sans avoir à faire de commandes... De commandes... Mince. Ah, mince. De commandes... De base sur place, tout simplement. Une fois que j'aurai posé... Il faudra que je fasse... Non, il faudra que je vais réfléchir, Samy, je vais y réfléchir.
Ah non, c'est mon point. D'accord, je comprenais pas. Je vais réfléchir exactement à ce dont j'ai besoin. Potentiellement, sur place, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin d'hydrazine pour pouvoir revenir, hein, forcément. Comme ça, j'aurais pas à en ramener à chaque fois. Par conséquent, il me faudra forcément un habitat. L'habitat auquel je relierai via de la résine. Énormément donc de résine nécessaire pour ce jeu. Une ou plusieurs lignes comme ça pour ajouter un condensateur de carburant. Ça, c'est nécessaire. Par conséquent, il va falloir que j'emmène plein de choses. Mais alors, vraiment plein de choses. Donc, on verra tout ça, chers amis. Ouais, on verra. Je refais la liste, chers amis, et je vous dis ça dans le prochain épisode. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!